Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 7e épisode sur XCOM 1. C'est parti! On va aller donc sur le globe, pardon. J'en perds mon français là. Ah, générateur terminé, ça c'est bien ça. Nickel. On a de retour de l'énergie, je crois. Oui, c'est bien ça. Et ici on a un bonus, vous voyez le petit plus qui nous signale évidemment le petit bonus. Ouais, effectivement, alors ça fonctionne comme un atelier. Eh bien on va le construire, c'est parti, tant pis on n'a pas de sous mais on s'en fout. Au pire des cas, oh là là, on a l'Australie, les États-Unis, l'Égypte qui commencent à se pisser dessus. Le marché gris, donc ça c'est quand même pas mal parce que du coup on va pouvoir vendre une paire de cadavres. Je vais en laisser 5 peut-être, ça peut être bien. Étant donné qu'on n'a pas encore recherché certaines choses, terminé la transaction, vous voyez, j'ai 142 maintenant. On va pouvoir limite. Creuser. Parce que c'est 50, hein. Sinon j'aurais déjà fait le l'ascenseur. Alors dans la production on a quoi? Pas le faucheuse. Ah, ça par contre on peut construire. Ça fait 100 quand même. Hein. On va peut-être utiliser 2 pour commencer. La grenade flash, on pourrait éventuellement en faire une. Pour essayer de... Le canon phénix. Ah. On va en construire un. Pour dire de le faire. Bon, on a vu. On a déjà quand même 17 ingénieurs. Hein. C'est pas négligeable. Terminaux de liaison dans 4 jours, c'est pas ça? Oui. Donc dans 4 jours, on va pouvoir relancer un autre... Voilà. Un autre satellite, enfin. Terminal de liaison satellite terminé. Impeccable. Alors... Eh bien... Non. Pardon, j'ai failli imaginer la mission se lance, j'ai l'air bête. On va lancer des satellites. C'est vraiment sur tous les continents. Hein. On est un disponible et 2 sur 4 en orbite. La Chine... Non, l'Australie. L'Australie. On va faire ça parce que... Satellite voilà. Sinon on aurait eu... Un problème quand même. Hein. Voilà. Alors, j'ai pas de sous. Sinon, j'enverrais bien un intercepteur près des satellites parce que ça va nous poser problème. Alors, on a dans un jour un nouveau satellite, donc on peut se permettre. Commandant, voilà. Vos satellites sont parés au lancement. Continuez. On est prêt à les déployer à votre signal. Bah nickel. Enfin, c'est ce qu'on va faire. Lancer le satellite. Alors, la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis. Ou l'Egypte. Oui, bon. Là j'ai... Qu'est-ce que ça me donne comme bonus, pardon. 3 scientifiques par mois, 6 ingénieurs par mois. Voilà, Amérique du Nord pour le moment j'ai pas. Bon. Désolé pour l'Afrique, mais pour le moment, c'est pas ce qui est rentable. 3 scientifiques, 6 ingénieurs. Pour la Chine. Allez. Les terminaux de liaison ouais, j'ai pas d'intercepteur, ouais. Maximale. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Ok. Est-ce qu'on peut transférer liste des avions?
Je vais transférer en Asie. Ok, confirmé. Voilà. 3 jours. Comme ça, j'en ai un ici en Europe et j'en ai un pour l'Asie. Et à long terme, en fait, il en faudrait un dans chaque sur chaque continent, pardon. Au moins. Parce qu'après, vous allez voir que il y aura des dégâts sur les vaisseaux et donc sur les avions, sur les intercepteurs, il faudra les réparer. Excavation terminée. Arme à rayon, voilà. Pistolet laser et fusil laser. Là, on va commencer à devenir des hommes. Les méthodes utilisées par les extraterrestres pour gérer la consommation d'énergie et la dissipation de chaleur dans leurs armes nous ont permis d'améliorer notre armement laser bien au-delà de nos espérances. Disposons désormais d'un prototype fonctionnel et portatif qui a la forme d'une arme de poing. Quelque chose jugé d'impossible jusqu'à présent. Il nous a certes fallu réduire la taille des lentilles de visée, mais nous n'avons pas relevé de pertes trop importantes dans les dégâts ou la précision. Ok. Ok, impec. Pistolet laser, voilà. Il va falloir le fabriquer et le fusil laser maintenant. Laser de précision, donc ça c'est le snipe. Ah, laser lourd, ça c'est la mitrailleuse lourde. Navigation, carapace, électroflux. Bon, allez, on va faire l'électroflux pour pouvoir débloquer ou décanter un peu l'histoire. Production. Laser, combien ça coûte? Oh là là, énormément. On va produire un fusil laser. Ouais. Ouais. Et un pistolet. Deux. Deux pistolets. Allez. Bon, voilà. Et c'est officiel, j'ai plus de sous. Hein. Maintenant, c'est plus la peine de me demander ma dringuelle. J'ai plus rien. On va transférer l'avion, j'espère qu'on aura. Ouais. Ah. Mission de priorité 1, c'est de la part du conseil. Ça se prend. Ok, donc 2 scientifiques, 2 ingés et 200 de thunes. Allez, c'est parti. Excellent. Nous avons hâte de voir vos progrès. Aussi. Alors, retirer. Est-ce qu'il y a toujours des blessés? Non. Ok. Alors, ce que je vais essayer de faire là pour le moment, on est 5. Je vais prendre 3 bien gradés. Un deuxième bof bof et un dernier qui est complètement bleu. Comme ça, je montrerai au moins une unité chaque fois. Alors, ok. Donc j'ai un soldat, un deuxième capitaine. C'est assez. Et j'ai un major. Ah ah. En activité, en mission, en activité, en mission. Ok, casino, Caitlyn. Je pourrais prendre ninja. Je vais prendre ninja. Voilà. Pondo. Grenadier. Grenadier, sniper. Et elle n'a pas d'affectation pour le moment. Ok. Alors, il va falloir que je mette modifier équipement. Ah, attendez. On va le refaire. On va libérer l'équipement. Valider. Ok. Modifier. Normalement, toi, tu devrais avoir un medikit. Voilà. Pistolet laser, fusil laser. Ok. Bon. Évidemment, les armes plus puissantes seront réservées malheureusement à l'élite. C'est pas voulu, mais c'est comme ça. Donc grenadier de granit, ouais, bah on dit à l'élite, mais finalement c'est un deuxième. Voilà. Le sniper, par contre, il pourrait éventuellement prendre. Et ok, bon, on va faire personne par personne. Pas le faucheuse. Allez, on va faire ça comme ça. J'espère ne pas faire trop de bêtises avec ça.
modifier équipement. Ah ouais, lui a besoin de son medikit, donc c'est mort. Longue portée, c'est pas la peine. Donc on va regarder Ajoukova et on va l'équiper de... bah, deux balles faucheuses, hein. On n'a pas le choix en soi. Écoutez cette musique. Elle vous prend pas au trip à vous. Et mon sniper, il aura droit à son nouveau joujou. Pistolet laser. Voilà. Le scope. Bon, il y a 84. Ça devient bon. Un major. Je regarde si j'ai rien oublié. Il y a un soin. Il y a des balles. Il y a des balles qui font plus de dégâts. Une grenade pour commencer avec lui, mais il y a un laser. Allez, c'est parti. Strike One, paré pour atterrissage. Strike One, c'est parti. Allez, hop là. Votre prochaine opération va vous conduire en Chine. Ok, bah. Allez. Encore un VIP, c'est ça? J'aime pas ces missions-là. Oh. Vous devez être mes contacts. Personne d'autre n'aurait osé faire une entrée pareille. C'est comme tuer un homme, finalement. Vu le truc que je leur ai pris, ils ne mettront pas longtemps à remarquer ma disparition. Si vous m'emmenez, il est tout à vous. Alors ça doit être une nouvelle mission parce que je ne connais pas. Et il semble avoir le paquet avec lui. Nous devons l'escorter sain et sauf jusqu'au point d'extraction. Pas de problème. Ses précédents employeurs, sans parler des aliens, sont activement à sa recherche. Nous avons un nouvel objectif. Impeccable. On va escorter Zhang alors. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, fusil laser. J'ai hâte de voir mon petit fusil laser en action. Je vais le placer là. Éviter d'être trop loin. Bien, commandant. Et Pingao. Derrière quand même en cas où. Je sais pas où mon chef a trouvé ça, mais il était prêt à le vendre au plus offrant, quelles que soient ses intentions. Strike One, restez sur vos gardes. Des forces hostiles s'apprêtent à attaquer votre position. Ah, ok. Mais j'ai bien fait de me mettre en vigilance, hein. Wow. Ah ouais, c'est... boum. Ok, ça c'est fait. Et c'est derrière les gars que ça se passe. Y'a personne qui réagit. Non, ça c'est dégueulasse par contre. J'ai pas une grenade là dans le tas? Ah si. Regarde. Voilà. Tu vois que ça sert la grenade. Bon, j'espère que je vais pas me prendre un tir de vigilance. Non, ça va. Voilà. Moi, ça me va. J'y vais. Hein? Ah! J'allais dire, tiens, j'ai deux tirs de roquette. Mais non, j'ai une roquette normale et une perforante. Ok. Bon, j'y vais tout de suite. On va y aller mollo, hein. La tâche en elle-même paraissait simple. Livrer de l'équipement à un endroit précis. Je vais attendre avec lui parce qu'il y a
le poison de l'allumette ici, si je me mets là, j'ai peur de d'être contaminé, ce serait quand même... Imaginez quoi. Tu contamines ton gars, il perd 4 points de vie, 4 tours, c'est fini, merci, au revoir quoi. Non, non, je vais pas être à ce point là. Tout se passe bien, on va pas corser la difficulté. Ok. On a de quoi faire ici. On va se mettre ici, avec lui. Ah, une allumette, une. Et vigilance, Asveta. On peut toujours tenter avec Asveta. Ah, raté. Mais par contre, les autres auront un bonus. Quand j'ai vu ce que c'était. J'ai commencé à m'inquiéter. Il va falloir que je me barre avec lui. Possible. J'espère. 55, allez. Voilà. Nice. Bien, commandant. À mon avis, que c'est pas une mission si facile que ça, quand même. Parce que... Ou alors ça, ils vont me donner un truc bidon à la fin de la mission. Parce que bon, vu comment ils avancent déjà les choses, ouais, vous pouvez l'avoir à la fin de la mission, machin, je sais pas, ça me fait peur. Soit c'est un truc de merde, disons-le carrément. Ou alors c'est une technologie qui va vraiment me faire booster un truc. Mais si ça me fait booster, je l'aurai pas sans peine. Là, on va faire ça avec Heinrich. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Vas-y, Ninja. Je compte sur toi. On va les placer là, ouais. Ça va, on avance. Progresse, tranquille. On va pas prendre de risques. Ah, Zhang, par j'ai contre. J'ai franchi pas mal de limites dans ma vie. Mais on a tous celle-là. Un ennemi commun maintenant. On peut me mettre là, tranquille. Attention, commandant. Oula. On détecte un signal intermittent. Il semble assez différent. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas ces bébêtes. Ah non, mais ça c'est... Ah, j'ai cru qu'il tombait juste à côté. Donc on a une nouvelle bébête, voilà. Bon, bah salut, t'es mort. Normalement. Salut, t'as pris 8 points de dégâts. Ah, j'ai raté la cible. Voilà. Vas-y, Pharaon. Ok. Alors on va faire attention parce qu'on a vu une nouvelle bébête qui est arrivée. En fait c'est ce qu'on appelle le chrysalis. Donc le chrysalis est capable de ramper et de parcourir une très grande distance en un tour. Et le problème c'est quand il attaque quelqu'un qui le tue, il le change en zombie. Qui lui-même, ce zombie, redevient un chrysalis. Donc vous imaginez un petit peu le petit cercle vicieux que ça peut vite engendrer. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument être ultra ultra vigilant avec ça. Il rigole pas, franchement c'est... Ça ne pardonne pas. Je vais même attendre du coup. Voilà, ping Gao. Ok, Zhang. Où je vais le mettre? Je vais aller le mettre là, dans le truc là, mais j'ai peur qu'il soit un peu trop en avant en fait. On verra. Voilà, c'est parti, Chrysalis. Vous avez vu combien de points de vie est là? C'est énorme. Aïe 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 aïe. J'en ai déjà peur. 4 en moins. Il en faut 4 encore. Allez les gars. Aïe 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 aïe. Ok, il semblerait qu'elle... Toi, la saloperie, ouais. Non, ça va, ouf. Attendez. Alors, normalement... Allez,
promotion. Il n'y a plus de munitions. Il est mort, je confirme. Ça roule. On va faire ça. Ouf. J'ai eu peur, franchement. On doit recharger avec Ping. Bon, Zhang. Zhang, je vais avancer, mais je vais quand même rester à portée. Je vais avancer un petit peu, mais c'est tout. Voilà, on va se mettre en protection avec lui. On peut avancer un petit peu avec Pharaon. Lance, ouais. Oula, Sveta, elle est plutôt loin. Mais je vais la mettre sur le côté, qu'elle puisse prendre à revers au cas où. On reçoit des rapports d'activité ennemie dans le secteur. Attendez-vous à avoir de la visite sans tarder. Super, merci les gars. Super, une vigilance. Une deuxième. Ah, bon, ça va. J'avoue. Allez. Ah, c'est là où les roquettes vont devenir sympas. Ah, j'ai rechargé, je crois. On va tirer d'abord une première fois avec elle. Normalement, je pense que j'ai la vision holographique. On est d'accord. Bon, bah la vision holographique, elle a pas servi à grand chose, malheureusement. On va recharger. Super. On va recharger aussi. Et c'est un carnage ici. Allez. Ping. C'est raté. On va se mettre en protection. Normalement, on risque rien. Bon, il se remet en vigilance, ça va. Mais on risque certainement. Ah non. Je pensais avoir du monde. Attendez. Djukova. On va se mettre ici. Normalement, je devrais avoir une vue sur le sectoïde. Ok, bon. Vaut mieux moi. Ok. Voilà, vaut mieux elle que le VIP, hein, évidemment. Alors, normalement, je devrais augmenter si je le touche pas. J'ai eu. Bon. Ok. Bien, commandant. On va vers ça, on va se mettre ici. En vigilance. Tout va bien. Tout va bien pour le moment. On va faire juste attention de pas rentrer dans le poison ici. C'est ce qui va être... va être embêtant. Je vais vers la position. Il faudra s'attendre encore à un renfort ou deux, je pense. Zhang. Voilà. Du coup, on doit changer tous ses plans. Ça, c'est contraignant, mais bon, c'est pas grave. Partie du jeu. Affirmatif. Bon, Pharaon, ça va, il va avancer un petit peu. Et puis, il va rester en vigilance. Impeccable. Là, pour le moment, on est plus que carré. Ah, elle s'est estompée. Voilà. On va pouvoir avancer avec Pharaon et cover la zone. Normalement, ici, je peux le faire. Si avec mon VIP, je peux courir normalement directement. Ok. Zhang. Voilà. J'ai survécu, mais mon ancienne vie est révolue. C'est drôle. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je pourrais trahir mes vieux amis. Tout ça pour le bien de l'humanité. Ça doit certainement faire partie d'un le DLC. Le dispositif et notre aussi. Contact sont hors de danger. Rentrez au QG pour débriefing. Parce que je l'avais pas encore fait, ce petit. Zhang me disait rien du tout, donc c'est certainement être un DLC. Impeccable. Bon, savoir un peu plus sur notre nouvel ami maintenant. Si toutes nos missions se passent aussi bien que celle-ci,
Les extraterrestres n'ont aucune chance. Eh bien, c'est impeccable. Grenade fumigène, ok. Ninja, elle fait du bon boulot. On va la mettre en anti-char. Parce que ça peut très vite aller. Hein. Alors, défense plus 5 ennemis en vue. Et chance de coup critique plus 10 par ennemi en vue. Ah, Zveta. Ah, Zveta. Il va falloir que je change son nom aussi. Oh, j'ai déjà un lieutenant. Opportuniste. Améliore les tirs réflexes, supprime les pénalités de visée et permet les coups critiques. Et l'autre, plus 10. Ouais, non, c'est celui-là qu'on va prendre. Voilà. Parce que bon, on a quand même déjà 98 en soi, c'est déjà très bien. Et Ping Gao qui vient devenir sapeur. Hein. Ah, une nouvelle médaille. Visiter la caserne, blablabla, blablabli, blablabla. Une nouvelle autopsie à faire, le chrysalis. Un cadavre, 5 cadavres d'allumettes, un cadavre de chrysalis et 10 fragments d'armes. C'était plutôt prolifique. Et 2 scientifiques, 2 ingénieurs et 2 centaines d'eau. Oui, c'était bien. On va regarder donc les médailles. Médaille d'honneur du conseil. Attribuer pouvoir. Visée et volonté plus 1. De réussir un crochet plus 10 à plus de 7 cases de toute une. Le viser volonté me plaît bien. Franchement, je vais attribuer ce pouvoir. Oui. Et je vais décerner. Tiens, Zang. Ah, c'est un grenadier. Ah, ah. Encore un grenadier. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça va, je peux faire une team grenadier, quoi. Donc, j'avais dit volonté et visée. Donc, ce serait un grenadier, en fait. Allez, hop. Ninja, tu es promu. Félicitations. Okay. Par contre, ce qu'on pourrait faire éventuellement maintenant, c'est de regarder le centre de formation. Parce qu'on a quand même. On commence à tout débloquer maintenant. Hein. Rapide, ça pourrait être sympa. L'escouade 2, je pense que ça paraît une condition sine qua non. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Ok, de l'énergie c'est bon, il nous reste que 6. On a 6 en trop, en surplus. Les hangars, est-ce que je peux... Non, où est-ce que je peux acheter des vaisseaux encore? Là. Non. Ok, on a le canon phénix, ça c'est bon. Comment on peut acheter des... C'est pas la caserne, c'est pas où on... Ah! Passer commande, voilà. Attendez, il faut que je regarde d'abord où j'ai mes postes de surveillance. Les terminaux de liaison satellite ont atteint en Chine, capacité maximale. En Inde, en Australie, ah. Un avion là et un avion là, si j'ai bien compris mon... En Australie. Alors on va regarder si je peux envoyer ou commander un vaisseau en Australie. Non, c'est considéré comme l'Asie. Ok. Pour le moment on va pas passer commande. Alors ça sert à rien. Par contre, du coup on peut produire des fusils laser. Et ça va carrément pas être négligeable. Croyez-moi.
Quantité 4. Ouais, j'en ai déjà fait un, donc c'est bon. Voilà. Ça va être nickel. Je vous remercie des efforts que vous faites. Et c'est ici que je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Bye bye.